Salut à tous et bienvenue sur AZ237. C'est un fait bien connu qu'il n'y a pas de frontières sociales quand il s'agit de l'amour du sport. Ceci est d'autant plus vrai pour l'un des sports détenant les supporters les plus dévoués de l'histoire du sport, le football. Ce phénomène unit les gens, quelle que soit leur situation financière, leur âge ou la couleur de leur peau. Il existe de nombreuses preuves à l'appui de cette affirmation. De nombreuses personnes se sont retrouvées championnes du monde, ayant commencé leur parcours par des débuts modestes, la plupart d'entre elles n'ayant même pas de jouets ou d'équipements appropriés. Cependant, leur amour pour ce sport ainsi que leur volonté de poursuivre leurs rêves et leur dévouement les ont élevées pour devenir les riches icônes qu'elles sont maintenant. Aujourd'hui, nous allons parler de l'histoire d'un petit garçon de 5 ans, originaire d'Afghanistan, qui toucha le cœur de nombreux fans de football ainsi que du footballeur professionnel Lionel Messi lui-même. Il s'agit de Murtaza Ahmadi. Regardons son histoire. Mais avant de commencer, j'aimerais vous rappeler qu'après avoir regardé cette vidéo, vous pouvez faire un tour sur notre chaîne pour découvrir de nombreuses histoires, à la fois incroyables, intéressantes et émouvantes. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification si vous êtes nouveau parmi nous. Murtaza Ahmadi était un passionné qui avait toujours cru que son plus grand rêve se réaliserait un jour. Ce n'est pas un secret que l'Afghanistan est un pays qui lutte pour sa richesse. Plus précisément, c'est un pays plutôt inégalitaire. Certains ont tout ce dont ils ont besoin pour mener une vie décente, tandis que d'autres luttent pour que leur famille soit nourrie tous les jours. Notre Murtaza se situe dans la deuxième catégorie. Même avec les difficultés auxquelles sa famille et lui étaient confrontés quotidiennement, il avait un amour indéniable pour le football. Comme beaucoup de jeunes fans de ce sport, il avait un héros dès l'âge de 5 ans. Il ne s'agissait de nul autre que Lionel Messi, détenteur du record de 6 fois Ballon d'Or. Même s'il ne vivait pas dans un pays développé, cela ne l'empêchait pas de montrer au monde entier son amour pour ce sport et son amour pour son héros. Le dévouement dont il faisait preuve pour ce sport a même dépassé la plupart des adultes qu'il adorait. Son père a déclaré que le plus grand souhait de Murtaza était de posséder un jour un maillot comme son héros. Murtaza avait demandé à son père à plusieurs reprises de lui acheter le maillot. Mais son père réussissait à peine à le nourrir avec l'argent qu'il gagnait. Les vêtements que portait Murtaza n'étaient pas exactement du calibre d'un vêtement de sport. Cependant, il utilisait son imagination pour voir la situation sous un tout autre angle. Il aimait faire croire qu'au lieu de porter des bottes, il portait des crampons de marque. Au lieu de porter un pull miteux, il aimait faire comme s'il portait le maillot de l'équipe d'Argentine. Les deux arbres qui se trouvaient près du parc où il jouait? Dans son esprit, c'était des buts de football. Pendant des jours et des jours, il jouait avec son ballon de foot. Même si son attitude était constamment positive, on ne pouvait nier qu'il se sentait mal. La nuit, il pleurait en silence à l'idée que sa famille ne pourrait jamais se permettre de lui acheter le maillot de Messi. Un tel achat était certainement une dépense qu'il ne pouvait pas supporter. Son père était triste que ce simple rêve de son fils ne puisse pas être réalisé. Cependant, sa volonté de voir son fils sourire lui fit faire quelque chose auquel peu de gens auraient pensé. Il a décidé de faire un maillot de ses propres mains. Il s'était souvenu qu'il avait vu un jour un sac à rayures dans le magasin, car les couleurs du sac étaient pratiquement identiques au dessin du maillot de l'équipe argentine. Il voulait rendre son fils heureux, alors il a ramené le sac chez lui et l'a mis sur les épaules de son fils. Au dos du sac, il a écrit le nom Messi, ainsi que le légendaire chiffre 10 qui le représentait. Murtaza n'avait jamais été aussi heureux depuis qu'il a reçu ce cadeau. Il a sauté de joie en montrant son nouvel uniforme à la famille. Pour lui, c'était ce qu'il voulait depuis longtemps. En tant que petit garçon qui avait grandi dans cet environnement difficile, il n'était pas du tout gâté. Pour cette raison, le maillot fait à partir du sac en plastique avait vraiment fait de lui un garçon heureux. Son père se souvient avec bonheur que depuis qu'il avait reçu le maillot en sac plastique, il n'avait plus entendu son fils pleurer la nuit. Même si ce n'était qu'un sac plastique, pour Murtaza, c'était encore plus spécial. Il était un enfant de 5 ans très positif. Le monde l'a connu grâce à son frère, Humayun, âgé de 15 ans. Celui-ci avait une photo de Murtaza portant le maillot en sac plastique sur son Facebook personnel pour que Murtaza se sente enfin bien. La nature chaleureuse de la photo a incité de nombreux fans de football à la partager. Après quelques temps, cette photo prise dans une région pauvre de l'Afghanistan a fini par faire des vagues dans les médias sociaux. Cela nous montre vraiment que le football n'a pas de frontières.
Il n'a pas fallu longtemps pour que la nouvelle du jeune Afghan jouant au football avec un maillot de sac de course parvienne à Lionel Messi lui-même. Aussitôt, les supporters de Messi se sont mis à la recherche de Murtaza afin de l'interviewer et de lui donner un véritable uniforme, comme celui que portait son héros. Cependant, la recherche était définitivement difficile, car il y avait de multiples théories quant à l'origine de Murtaza. La recherche devenait désespérée jusqu'à ce que l'un de ses oncles, nommé Azim, remarque un commentaire sous l'une des vidéos où un homme nommé David cherchait à localiser l'endroit d'où venait Murtaza. Après une bonne correspondance, une équipe de tournage a réussi à aller à la rencontre de Murtaza et à faire un reportage sur lui. Après cela, le garçon s'est fait connaître sur la scène nationale et internationale. Lorsque l'histoire est parvenue aux oreilles de Messi, elle a touché son cœur, car il est aussi un homme aux origines modestes. C'est pourquoi il a décidé d'envoyer à Murtaza deux maillots de qualité et un ballon de football. L'un des maillots était celui de Barcelone, l'autre celui de l'Argentine. Mais ce n'est pas tout, car Messi a écrit un message personnel pour Murtaza sur chaque maillot. Ces magnifiques cadeaux ont ensuite été livrés à Murtaza en toute sécurité par l'intermédiaire des représentants de Messi dans leur pays. On pourrait penser que c'est la fin de l'histoire, mais c'est loin d'être le cas. Après que Murtaza ait reçu ses précieux souvenirs de son idole Lionel Messi, son nouveau rêve était de le rencontrer en personne un jour, afin de le remercier pour tout. Cependant, le garçon et son père savaient que cela n'arriverait pas, ils ne pouvaient pas se permettre d'espérer. Après tout, Murtaza et Messi vivaient à 15 669 km l'un de l'autre. Il y a aussi le fait indéniable que Messi était une superstar internationale, avec un emploi du temps chargé alors que Murtaza n'était qu'un simple garçon. Mais la gentillesse ne connaît pas la distance, surtout lorsqu'il s'agit de quelque chose d'aussi cher que le sport. Cette fois, l'aide et la gentillesse furent manifestées par le gouvernement qatari et l'UNICEF. Lorsque les organisations ont contacté le père de Murtaza pour lui dire que Messi voulait voir son petit garçon, il n'y a pas cru au départ, par pure panique. Dans son esprit, une telle chose était impossible. Pourtant, cela est arrivé à Doha à la fin de 2016. Ce jour-là, Barcelone jouait un match amical contre une équipe locale. Le jour de la rencontre, Murtaza s'est mis dans un pétrin émotionnel en rencontrant Messi. Mais les larmes qu'il versait étaient des larmes de joie. Il a même eu la rare opportunité de marcher sur le terrain avec Messi et l'équipe de Barcelone, et même la chance de prendre une photo de groupe avec eux tous. Il quittait à peine les côtés de Messi pendant tout ce temps, et le public a trouvé ce moment plus que réconfortant, au point où l'arbitre a dû le ramener à son père pour pouvoir commencer le match. Mais l'histoire ne s'est pas arrêtée là non plus. Le manager de Messi a laissé échapper quelque chose qui est resté à jamais dans la mémoire du jeune Murtaza. Il a déclaré que si Murtaza continuait à jouer au football, il y a de fortes chances que Messi l'aide à s'installer en Europe et à commencer son voyage en tant que joueur de football lorsqu'il aura 15 ans. Cependant, ce n'était pas une passe gratuite, car Murtaza devait travailler encore plus dur et avec plus de détermination pour atteindre son but. Messi avait certainement la capacité de tenir cette promesse. Les parents de Murtaza sont constamment à la recherche des meilleurs entraîneurs et des meilleures écoles où leur petit garçon pourrait apprendre le métier. Mais en attendant, il continuera à jouer au football dans sa cour. Même s'il semble que l'histoire ait frôlé une fin heureuse, tout n'est pas comme il y paraît. Il s'avère qu'il y a un côté sombre à la célébrité et cette histoire en témoignera à elle seule. En fait, la famille de Murtaza faisait partie du groupe ethnique Hazara, dominé par les chiites, qui est une cible importante dans la liste des talibans. Elle était considérée comme étant d'une importance stratégique dans le conflit entre les talibans et le gouvernement. Sa famille affirma qu'elle craignait que la célébrité ait fait de leur fils bien-aimé une cible des talibans, car selon sa mère Shafika, les voyous locaux appelaient et disaient « Tu es devenu riche, donne-nous l'argent que tu as reçu de Messi ou nous enlèverons ton fils ». Une fois, ils ont même dû fuir leur maison au milieu de la nuit, après avoir entendu des coups de feu, et ils se souvenaient qu'ils n'avaient pas pu prendre aucun de leurs biens, y compris leurs précieux chandails. Le monde est sans aucun doute un endroit cruel, mais Murtaza vit actuellement loin de son ancienne ville natale de Quetta. Il pratique son football en secret, car il exprime son souhait de revoir Messi et peut-être un jour accepter cette offre pour jouer professionnellement. Après la traversée du désert que Murtaza avait endurée, espérons que les choses tournent bien pour lui.
Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, alors cliquez sur le bouton « J'aime » et partagez-la autour de vous. À très bientôt sur AZ237.